Quand on lance sa marque sur les réseaux sociaux, c'est difficile dès les premiers jours d'investir sur les shootings photos. Aujourd'hui, je te montre comment faire des photos de tes articles avec ton smartphone. C'est parti! Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Miss Digital. Aujourd'hui, on va faire des shootings photos, des produits. J'ai comme produit des magnifiques boucles d'oreilles, mais aussi ces jolies lunettes. Alors, on va faire les photos ensemble, mais commençons déjà par les matériels qu'on va utiliser. C'est des choses très faciles que tu vas avoir chez toi. La première chose, c'est notre ami, un smartphone. Et la deuxième chose, c'est un tissu. Pour le conseil que je peux te donner, c'est qu'utilise des tissus qui se froissent naturellement. Tu peux utiliser un satin, par exemple. Alors, la deuxième chose, c'est la composition de tes photos. Nous, on a choisi des fleurs et un miroir. Rien de plus simple. Alors, on passe à la partie shooting. Alors, on va changer de décor juste pour te montrer que tu peux faire plus simple avec juste un tissu. On y va. Prenez vraiment le temps de tout essayer et vous verrez la bonne photo pour vous. Voilà, on vient de finir notre premier shooting. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va changer de décor. Mais avant, je te montre les résultats de mes photos. Petit changement de décor. Alors, on va shooter cette fois-ci nos lunettes et pour le fond, je vais utiliser un papier peint. Ça aussi, ça ne coûte pas cher. Pour les moindres budgets, c'est la chose à avoir. C'est parti. Prenez des photos où vous êtes vraiment à côté de votre produit et d'autres où vous êtes moins rapproché. Et c'est parti. Voilà, on vient de voir ensemble comment faire tes premières photos d'articles sans un budget. Il faut juste en fait un tissu ou bien un papier plan, les bons réglages pour ton téléphone et le shooting est fait. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Miss Digital. Bye! Alors là.